Hey, salut à vous tous! On se retrouve pour une nouvelle update. Oui, je sais que j'ai sorti une petite update récemment, mais c'est pour vous dire encore quelques trucs et bien vous mettre mise au point, parce que, comme je l'ai dit, il y a encore quelques trucs à vous dire. Je vous rassure, la prochaine update va arriver dans très longtemps. À part si c'est vraiment quelque chose en cas d'urgence, mais normalement non. Voilà, donc au programme LEGO Critics. Ensuite, les mocks, donc je vous montrerai un peu plus de la mock Hangar Républicaine, donc son évolution par rapport à la dernière update. Bon, désolé pour la marcherie en falle, par contre, je pouvais pas vous montrer plus. Voilà. Également aussi la version commentée de la petite mock des Wolfpacks Attack on the Breach, que certains ont demandé. Ensuite, quelques trucs sur le LEGO Store de Lyon, et les Micro Fighters également, et puis quelques trucs vite fait. Voilà. Alors donc, c'est parti. Alors pourquoi je vous montre le Separatist Shuttle? Eh bien tout simplement, enfin si vous n'êtes pas au courant, le post que j'ai mis sur Google+, dans la rubrique Les Moqueurs Extrêmes, alors en fait le Separatist Shuttle sera donc pour le troisième épisode des LEGO Critics. Oui, donc je suis désolé pour le choix le Republic Swamp Speeder, donc je redécale certainement au quatrième épisode. Voilà, mais j'avais envie de mettre en fait au final le Separatist Shuttle. Voilà, mais je vous remercie quand même d'avoir pu m'aider à choisir un des futurs autres sets pour les futurs épisodes. Voilà. Donc, et le deuxième épisode, je vais le tourner, je pense, cette semaine. Il va être très rapide, je pense. Et je pourrais vous le mettre en début juillet parce que, justement, pendant tout le mois de juillet, je serai certainement pas là. Voilà. Donc, je pourrais vous mettre comme dernière vidéo pour le moment. Enfin, le deuxième épisode des Critics. Et en plus, ce sera sur le Battle Pack Rebel Empire Endor en 2012. Enfin, je sais plus exactement son nom, mais vous voyez ce que je veux dire à peu près. Voilà, donc d'ailleurs, il faut que je redemande à Bricks Life pour les prochaines vignettes. Voilà, donc ça sera tout. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu plus la mock Hangar Républicaine. Voilà, c'est parti. Donc, vous pouvez voir un petit peu l'évolution qu'il y a eu pour la dernière update. Hein. Donc je vous avais montré, il y avait la canonnière et quelques trucs vite fait. Là j'ai rajouté plus. J'ai même réussi à mettre des plaques en plus, parce que vous vous souvenez, j'avais dit que c'était vide et ça faisait moche. Donc heureusement que j'ai réussi. Sinon ça ferait vachement moche et je serais assez déçu. Voilà, donc je vous montre pas plus que cela, mais ça m'a pris presque un mois et demi de cette moque. Je suis sérieux. Voilà quoi. Mais de toute façon, en attendant, c'est Marche Triomphale qui a gagné dans les votes. Enfin, pour le moment, après, il reste quelques jours à voter. Voilà, ça sera tout. Et là, donc, je vais vous montrer d'un instant à un autre la version commentée du petit mock Wolfpack qui a été bien accueilli et que, sincèrement, la musique était classe. Si, si, si. Allez, c'est parti. Alors, dans cette mock qui représente donc en fait une petite bataille où en fait les Wolfpacks dirigé par le Jedi Plo Koon, donc ça, déjà, bah, je pense que vous savez à peu près tous que Plo Koon se dirige les Wolfpacks. Donc, ils attaquent, en fait, ils vont sur un petit pont de ravitaillement où ils attaquent justement les attaques séparatistes. Logique. Donc, en fait, c'est un petit pont, mais en vrai, ça va être un grand pont que j'ai pas pu en représenter plus parce que, même si je l'aurais voulu, mais voilà, je voulais faire comme ça, un petit mock. Il est construit en fait sur un terrain de sable avec plein d'eau. Je lui ai fait en fait une sorte de petit ruisseau rivière en fait où il est construit le pont. Donc en fait il y a à peu près deux fronts, à peu près. Alors on a ce soldat, donc le clone phase 1 dans le set Republic Frigate de 2011, ou moi je l'appelle plus Comet parce que c'est le seul comme ça. Voilà. Donc en fait il est chargé d'éliminer les derniers droïdes qui restent dedans. Donc on pouvait voir qu'il est très armé, il a même une sorte de fusil d'assaut Arc Trompers, il a même une grenade carrément. Donc il est en train d'éliminer les derniers droïdes qui restent, enfin même ceux qui tombent du pont, surtout pour les achever en gros, voilà. Ouais, c'est assez con, voilà. Voilà, on peut voir les petits ruisseaux avec l'eau, un peu de terre, végétation, enfin bref, voilà. Alors, sur le pont, donc là on a une petite bataille qui se livre, donc on a trois droïdes avec un commandant. Là, le commandant qui carrément est en train de se faire arracher la tête, enfin couper la tête par Plo Koon, justement. Alors que le droïde commandant il était en train de tirer, justement. Donc, faut voir après s'il était en train de tirer sur des clones ou non.
Voilà. Sinon, les trois droïdes de combat qui ont l'air un peu affolés parce que là ils sont face à un Jedi. Et là, à la télé, le Wolfpack. Donc c'est des clones assez agressifs, on va dire, parce que on va dire que enfin, comme les Wolfpacks, ça vient d'un loup, les loups sont assez agressifs en guerrier. Enfin, je dis ça, mais c'est à peu près ma théorie. Voilà. Donc là, le commandant Wolf, phase 1, livré également dans Republic Frigate, 11. Donc là, qui se ferait un chemin avec ses deux flingues. Sincèrement, j'aurais préféré avoir la phase 2, mais vu que l'Ego ne l'a jamais fait, tant pis. Il faudra que je me débourse d'une plus de vingtaine d'euros pour l'avoir en son custom, en tout cas. Sur Camden Industries ou d'autres sites custom. Bon, bref. Et là, bien sûr, mes deux soldats Wolfpacks phase 2, que je les ai eus dans le canon AV7 anti-véhicule République. Donc, il y en a un qui pousse carrément, enfin, ouais, qui pousse carrément un droïde par au-dessus de la barrière, donc qui va tomber le droïde. C'est une genre de coup de crosse, si vous voulez. Et là, un clone effet qui s'abrite sur une caisse. Voilà, pour se défendre, voilà. Avec aussi quelques lampadaires au passage. Et c'est une des premières que j'ai fait un mock où c'est carrément tout en lisse. J'ai dû utiliser un peu de pâte à fixe pour tenir certains personnages parce que c'était assez chiant quand même. Surtout en liquide, moi je vous en parle pas. Voilà. Donc le mock est à peu près comme ça. Voilà. Je crois que j'ai pas grand chose à dire hein, sur ça. En tout cas, je ferai un autre mock Wolfpacks, mais je sais pas du tout quand. Mais j'espère en faire un plus grand, mais pour le moment j'ai pas assez de soldats Wolfpacks. Voilà. Alors, maintenant que c'est fait, donc pour la petite moque, alors ensuite, c'est à propos quelques infos du Lego Store de Lyon. Alors, si vous voulez savoir, techniquement, il aurait pu s'ouvrir ce mois-ci, techniquement, mais bien sûr, Lego a toujours du retard pour ses magasins. Oui, en effet, j'ai appris que le magasin ne pourra pas s'ouvrir ce mois-ci, donc ça, c'est très connard, hein. C'est pareil pour le Lego Store de Bordeaux, en fait, il a été redécalé à la rentrée, donc en septembre, il me semble. Enfin, je dis ça, mais c'est un peu dommage. Mais il va certainement ouvrir en juillet, d'après les sources, donc entre le 15 ou le 17 juillet, mais bien sûr à des dates où je ne serai pas là. Yeah! Merci Lego! Bon, bref. Donc le reportage sera... J'hésite même à savoir si je vais en faire un au final. Parce que je voulais essayer d'aller le premier jour. Mais là, vu que ça sera pas possible, faudra que j'attende en août, en fait, au final. Ah, alors peut-être que les têtes vont changer, hein, j'espère bien en tout cas. Enfin, j'espère en début juillet, ça serait quand même plus sympa. Voilà. Donc je vous le dis, normalement il ouvrira en juillet. Voilà, donc je dis ça aux fans lyonnais et également à ceux qui sont proches de Lyon. Voilà. Et ceux de Bordeaux, il faudra attendre malheureusement la rentrée. Ah, c'est bête, hein. Et ensuite, donc, dans les Micro Fighters, eh bien j'ai acheté justement récemment hier. Le Micro Fighters AT-AT et Vulture Droids. Donc oui, il me reste plus qu'un seul à acheter, c'est celui du Lomix Spire Droid. Et enfin, j'aurai tous les Micro Fighters de série 2, mais aussi tous les Micro Fighters existants. Et bien sûr, vous attendrez certainement tous pour la vidéo spéciale Micro Fighters série 2. Bien entendu, comme je l'ai dit, lorsque je les aurai tous, je commencerai donc le tournage. Et tout ça. Mais par contre, je sais pas quand est-ce que je le mettrai, peut-être en août, ou voir la rentrée. Enfin, je vais essayer de quand même le mettre en août, parce que la rentrée, ça pourrait quand même être chiant. Voilà, quoi. Voilà. Donc je préfère peut-être vous le mettre encore pendant les vacances. Voilà. Alors, sinon, comme j'ai dit, il n'en reste plus qu'un seul. Voilà, alors sinon, si vous voulez savoir, pour ceux qui ne savent peut-être pas ou pas, en fait, je passe mon bac dans 2 ans ou 1 an. Enfin, j'ai fini ma seconde cette année, donc là, je vais commencer ma première à la rentrée prochaine plutôt. Donc du coup, oui, j'aurai encore du temps pour les vidéos. Après, le travail que j'aurai certainement sera très occupant, voilà, on va dire. Donc, ça veut dire bien sûr que voilà, les vidéos que je vais consacrer seront un peu moins. Mais je peux encore faire des vidéos, mais par contre, quand je vais approcher du bac, ça par contre, oui, il faudra, là c'est mort direct, hein, voilà. Enfin, de toute façon, quand on commence les vidéos sur YouTube, et que t'es jeune en tout cas, à un moment donné, il fallait bien s'atteindre au bac. Voilà. À part si tu veux vraiment rater ta vie, tu le dis. Voilà. Bon, bref, voilà, donc, écoutez, je crois que c'est tout pour cette update. En tout cas, si vous n'avez pas remarqué au début, j'ai fait un générique. Ouais, c'est super le générique. Enfin, je l'ai fait. Ok, bon, c'est pas non plus le meilleur des génériques de tous les temps, ça c'est sûr. Mais c'est un petit kiff que je me suis fait. Mais je pourrais peut-être le changer, voilà. Bon, ouais.
C'est un générique tout simple que j'ai fait moi-même, mais bah heureusement que j'ai fait moi-même, parce que bordel. Voilà quoi. Donc voilà. Et puis bah sinon tu peux mettre un petit like, voilà, un petit like juste ici. Tu peux mettre un dislike aussi. Alors, ça m'embête pas. Sinon tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, alors bien sûr je te conseillerais de réfléchir avant de faire une connerie, parce que je suis sûr que tu vas t'abonner et qu'après tu vas te désabonner comme un gros connard. Bref, donc déjà je vous remercie pour les 250 abonnés, on est déjà à la moitié des 300 abonnés, enfin à l'heure où je tourne on est à 250 abonnés, peut-être que ça va monter, peut-être que ça va descendre, j'espère que ça va monter, voilà quoi. Sinon tu peux également me suivre sur Twitter, mais bon, je suis pas souvent présent sur Twitter, donc voilà, non c'est jamais. Tu peux également aller voir mon site internet vite fait sur les informations de ma chaîne, si tu as envie de savoir, voilà. Voilà, sinon je suis présent un petit peu sur Hotbricks. Si, bon, voilà, je fais un peu de pub pour le site. Voilà, et puis, bah, c'est tout. Sinon, sur Google+, voilà. Sinon, tu peux aussi également poster un commentaire, hein. Voilà. Mais n'essayez pas de me faire un commentaire avec des insultes, parce que je vais le supprimer, voilà. Bref, donc c'est tout simple, voilà, tout bête. Donc, eh bien, je vais vous laisser, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!